je ne réagis pas avec tout ce qui se passe. Je laisse être. Je suis là. Libre. Tout ce qui se passe, je suis présent, maintenant, là. Je ne demande rien, je ne veux rien, je n'attends rien, je suis là, avec ce qui se joue. Là, de rester en paix, là, de rester en paix, c'est de ne pas réagir à tout ce qui se passe, mais de laisser être, laisser les choses être ce qu'ils sont, ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien demander. Être là, présent, spectateur de tout ce qui se joue, sans réagir, sans donner son avis, juste voir, juste être, attentif, tellement attentif à tout ce qui se passe, que tu n'es pas distrait par tout ce qui se passe. Tu laisses les choses être. Tu ne veux rien, tu n'attends rien, tu ne demandes rien. Tu es là. Cette présence est silencieuse. Elle n'a aucun but. Il n'y a pas rien, il n'y a rien à atteindre. Rien n'a fait à valoir, tout est ok, et tu es là, face à toute cette distraction, sans rien vouloir faire pour pouvoir rentrer dedans. Tu laisses être. Le secret de la paix, c'est de laisser être les choses qui sont là. Aucune réaction, parce que toute réaction, c'est une distraction. C'est parce que tu as été distrait par ce qui se passe. Donc tu as réagi. Et dès que tu réagis, tu dissipes ton énergie, l'énergie que tu as besoin, toute l'attention que tu as besoin pour être là, pour rester présent. Tu la dissipes et tu es distrait par tout ce qui se joue. Et tu rentres dans le jeu de ce que la pensée demande. Et tu es embarqué par l'événement. On est en train de dire, ne réagis pas à tout ça. Laisse être ce qu'il y a. Il n'y a pas de but. Il n'y a rien à atteindre. Tout ce qui est là, dans ce silence. C'est dans ce silence que tout se joue. Parce que dès que ce silence n'est plus là, l'esprit s'en va avec ce que la pensée propose. Et ce que la pensée propose n'a rien à voir avec la paix de l'esprit. Parce que l'esprit est embarqué, l'esprit n'est plus silencieux, il est dans la réaction avec ce que la pensée propose.
est en train de dire, reste là, sans réagir à tout événement qui arrive. Juste accepte de voir ce qui arrive sans vouloir réagir avec ce qui se passe. Là, tu trouves l'art de la paix, l'art d'être toi-même présent, sans rien faire pour que tu ne sois plus là. Tu restes présent. Il y a une présence qui ne fait rien pour être dérangée par ce qui se passe. Tu n'attends rien, il n'y a pas de but à tout ça. Tu es là et tu contemples ce qu'il y a. Et le fait que tu puisses contempler tout ça fait que tu vois ce qui se passe. Si tu restes distrait, si tu réagis, l'esprit n'est plus présent pour voir ce qui se meut. Il y a alors une inconscience qui se joue parce que la présence d'esprit n'est plus là. On est en train de dire, reste là, ne réagis pas, n'attends rien, ne demande rien. Reste là, présent, avec tout ce qui t'entoure, sans rien faire pour déranger ce qui t'entoure. Laisse être. Garde l'esprit en paix. Que l'esprit puisse rester immobile, silencieux, sans réaction à tout ce qui attire, distrait. Parce que nous sommes bien souvent dans la distraction que le monde propose. Et le monde, ce sont tout ce que tu connais, tout ce que tu penses, tout ce que tu es, et le monde. Et là, on est en train de dire, reste là, présent à tout ça. Sois le spectateur de ce qui se joue. Sois spectateur de ce monde, le témoin qui ne veut rien, qui n'attend rien, qui ne demande rien, parce que cette présence, c'est la paix d'esprit qui permet ce regard. Si l'esprit est embarqué par la demande incessante de ce que la pensée propose, alors tu n'es plus là, tu es ailleurs. Il n'y a plus la présence, et sans la présence, il y a inconscience. Et dans l'inconscience, tout se joue, et tout se fait à travers les réactions, le programme que la pensée propose, tout s'infiltre dans l'esprit, et l'esprit devient les pensées. Donc, l'art de rester en paix, c'est de ne pas réagir avec tout ce qui se joue autour de toi. Laisser être les choses. Ne pas vouloir contrôler, arranger. Sois là, présent. Tu vas voir que tu es à ce moment-là libre de toutes les distractions qui puissent embarquer l'esprit. Parce que ce qui embarque l'esprit, c'est la réaction que l'on a aux choses qui arrivent, et ça distrait l'esprit. Et l'esprit est embarqué, enrôlé avec ce que la pensée propose. On est en train de dire,
sois présent à tout ce qui se joue. Et ne fais rien pour arrêter d'être présent. Juste là, ce que tu es, c'est du silence pur, sans distraction. Tu as besoin de toute ton attention pour laisser être ces choses. Une attention à tout ce qui se joue. Une attention, une terrible attention. Une attention religieuse qui ne laisse pas dissiper l'énergie que tu mets dedans. Parce que quand tu dissipes l'énergie, ça veut dire que tu as réagi, que tu es distrait et que l'esprit est embarqué à nouveau dans ce qui est proposé. Et ce qui est proposé, c'est la distraction, c'est les perditions, c'est la pensée, et ça ne s'arrête jamais. Tu t'embarques et il n'y a plus de silence, il n'y a plus cette quiétude, cette présence qui est l'intelligence, qui est l'ordre, l'harmonie. Et cette harmonie, dans cette harmonie, il y a la paix. Parce que l'esprit est silencieux. L'esprit n'est pas distrait. Cette présence est cruciale. Parce que quand il y a cette présence, tout est vu. Tout est vu pour ce que c'est. Il n'y a plus de mystère. Il n'y a plus quelque chose qui va t'accaparer parce que tout est vu. C'est seulement quand tu es distrait que tu es accaparé par ce qui se passe. Mais quand tu es attentif à tout ce qui se passe, alors l'attention est au maximum. Le silence est au maximum et l'esprit n'est plus embarqué par la réaction qui est en demande. Parce que l'esprit est subjugué par la pensée qui passe, parce qu'il n'est pas attentif à la pensée qui passe. Mais si tu restes là, tu ne demandes rien. Il n'y a rien à accomplir, rien à atteindre. Tu es présent. Un moment de vide. Un moment où tout est vidé. L'esprit est vidé de toute demande. Il accepte d'être là et voir ce qui se joue, sans que ce qui se joue ne l'embarque, ne l'enrôle pour être distrait. La pensée, c'est une distraction. Et quand il y a la pensée qui distrait, le silence n'est plus. L'esprit s'enrôle dans l'effervescence de la pensée qui est en demande et qui t'embarque à regarder les choses selon la pensée. Et un esprit qui vit selon la pensée n'est pas présent, il n'y a plus la présence. La pensée a embarqué l'esprit, et l'esprit est présent avec la pensée.
Et comme la pensée appartient au passé ou au futur, alors il n'y a plus le moyen de voir ce qui se joue dans l'instant où tout arrive. Donc, ne rien vouloir, ne rien attendre, ne rien demander, juste être là avec tout ce qui se joue, sans rien faire pour t'embarquer. C'est là l'art de l'écoute, l'art d'être attentif à tout ce qui se joue. Quand tu es attentif, il n'y a pas de distraction. Sans l'attention, l'esprit est distrait et consomme toute son énergie dans la distraction. Et pourtant, tu as besoin de cette énergie pour être dans l'attention, faire attention, voir tout, entendre, connaître, être présent, être conscient. Et pour cela, l'esprit doit être immobile, sans la demande que la pensée propose, sans être embarqué par cette demande. Tu es libre d'être là. Et là, c'est l'éternité. Là, c'est la quiétude, c'est la paix, et c'est la joie de ne plus avoir l'esprit encombré. Parce que tout se joue à partir de là. Dans ce havre de paix, tout est coordonné. Il n'y a plus la rivalité, il n'y a plus la dualité. Il y a juste l'harmonie. Tout s'accorde naturellement.